Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la présentation donc de ce luminaire. Donc voilà, donc une réglette torn étanche. Donc c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. En plus, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Donc c'est parti, donc voilà le luminaire. Voilà, donc je vais essayer de. Voilà. Donc le luminaire, ce que ça donne de côté. Donc il est plutôt propre à l'extérieur, mais l'intérieur pas trop. Voilà. De derrière, mais l'arrière c'est déjà pas. C'est déjà plus très propre, hein, on peut voir. Voilà. Hop, le côté. Voilà. Donc c'est une règle entièrement en plastique, hein, c'est pas de la grande qualité. Donc pour avoir les crochets, on prend un tournevis et on fait ça. Hop. Après la vasque, normalement, voilà, elle vient. Hop là. Voilà. Donc l'intérieur. L'intérieur de la réglette. Donc voilà. Donc je vous montre. Donc ici, on a une étiquette torn. Voilà. Torn, 2 x 36 watts, IP65. Donc il n'y a pas beaucoup de luminosité là où je filme. Donc je filme dans ma chambre, on est le soir. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc désolé. Et là, en fait, le téléphone il essaie d'augmenter la luminosité, mais il galère un peu. Donc voilà. Donc dedans, on a deux starters. Donc hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, allez. Je sais pas si là il sort pas. Donc ici, on a un ST111. Voilà, ST111 de base. Et hop, et là, ici, on a un Jinkoin Pi. Starter de très mauvaise qualité. Donc les douilles avec une araignée qui est complètement morte. Donc pour ouvrir c'est très simple. On appuie et on tire en même temps normalement. Donc avec une seule main ça va être un peu chaud. Donc je fais une coupure et je vous reprends une fois que j'ai ouvert. Donc voilà, donc j'ai ouvert la réglette. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur c'est vraiment crade. Donc là c'est la vidéo à l'état sale comme vous avez pu le comprendre. Donc voilà, donc le châssis, l'arrière de la réglette. Donc, on a deux ballasts tridoniques, donc 1 x 36 watts. Voilà, donc il y en a deux. Ici, on a un condo qui date de 2009. Voilà, donc en soi, la platine, elle n'est pas vraiment très très sale. Plus de la poussière qu'autre chose. Du devant, il n'y aura franchement pas grand-chose à faire, un peu de poussière. Donc ça va aller, c'est surtout vraiment là. Regardez, il y a même encore une araignée. Donc on a une petite, on a une amie ici. Voilà, donc il y a une araignée dedans. Voilà, donc c'est une réglette. Pourtant, je l'ai récupéré il y a un moment, mais je l'avais jamais ouverte. Donc, du coup, voilà. Enfin, voilà quoi. Donc, rien de très très spécial. Hein. C'est qu'une réglette. Hein, voilà. Mais c'est une réglette étanche et 2 x 36 watts. Je voulais. J'avais pas de réglette 1 x 36 watts ni 2 x 36 watts étanche. Je voulais une réglette étanche. Bon, c'est une torn que j'ai. Je voulais une Philips. Mais bon. C'est une torn. J'avais qu'une 2 x 58 watts Sylvania Proof en étanche. Et en plus, la vasque est toute jaunie. Là, en plus, là, c'est une vasque en polycarbonate et elle n'a pas jaunie, donc ça va. C'est une réglette assez récente. Et donc, du coup, je voulais une réglette étanche, 2 x 36 watts ou 1 x 36 watts. Et donc, du coup, il y avait celle-là qui était en très bon état. Donc, j'en avais deux, de base, j'en avais deux. J'en ai donné une à un ami. Donc, voilà, j'ai fait un cadeau. J'ai mis des tubes rouges dedans. Donc, je lui ai mis des tubes rouges dedans pour qu'elle s'allume en rouge et je lui ai donné. Donc de base j'en avais deux, donc de toute façon la deuxième je comptais pas la garder, c'était soit je lui donnais ou soit je la dégageais, je faisais des pièces avec, donc je lui ai donné, je préfère faire plaisir que faire des pièces. Donc voilà. Enfin voilà quoi, ça va être tout pour cette petite vidéo, donc j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça aide vraiment vraiment la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir, allez, ciao!